Bonjour et bienvenue à PenseBête.tv. Aujourd'hui, à l'émission, on s'adresse à vous, amateurs de plein air avec vos animaux de compagnie, parce qu'on parle TIC avec notre médecin vétérinaire, Nancy Morin, qui est sur le plateau. Bonjour, Nancy. Bonjour, Stéphanie. Alors, oui, on parle de TIC, mais explique-nous en quoi c'est important de faire de la sensibilisation à ce sujet-là. Mais En fait, ils sont de plus, de plus en plus présents au Québec. Donc, puis il y a plusieurs sortes de tiques. Fait qu'on va voir comment se protéger contre, protéger nos animaux contre ces petites bibites. Oui, protéger nos animaux et aussi par la bande de se protéger un Exactement. peu. Alors, on aura l'occasion de faire le tour de la question ensemble tout à l'heure. Mais tout juste avant, on retrouve notre topo pense-bête du jour. Aujourd'hui, notre topo du jour parle de poils. Et on a Audrey qui est avec nous. Parce que oui, on peut se sentir un peu dépassé lorsqu'on arrive devant l'étalage des brosses et on ne sait pas nécessairement laquelle choisir. Tu vas nous faire un peu le portrait là, des différents produits qui se retrouvent sur le marché qui ont sans doute une influence dépendamment de l'animal qu'on a à la maison. Oui, en effet, ça dépend toujours de la longueur du poil du chien, euh, aussi les types de toilettage qu'on fait faire. Donc, euh, il y a certaines personnes qui vont raser le chien plusieurs fois par année, même si que, que ce soit un caniche, un chetlan ou un collé. Euh Ça aussi, c'est en fait, c'est important de bien s'informer à ça, parce que ce n'est pas pour tous les types de chiens que c'est bénéfique euh, d'enlever tout le poil. Par contre, euh, au niveau du toilettage, d'arracher le poil ou de, de, de l'enlever, s'assurer que ça colle pas sur la peau du chien, ça c'est très important. C'est là que euh, le bon Bon choix de la brosse va être à regarder. Et là, ce que je comprends, Audrey, c'est que déjà à la base, on va faire un choix en fonction de notre chien ou de l'animal qu'on a à la maison. C'est certain que si on veut se taper un caniche standard, donc un, un grand chien avec une petite brosse, euh, la tâche risque d'être longue et perdue. Donc, selon euh, la grosseur du chien, pour bien passer entre les membres, euh, sous le ventre, tout ça, on veut prendre vraiment une brosse qui est plus appropriée à la grosseur du chien. Euh, ces brosses-là étant les plus standards, c'est-à-dire que euh, elles vont faire à la plupart des types de chiens. Euh, le truc, c'est qu'il faut faire un peu attention parce que euh, les brosses, en fait, les, les pines ne sont pas protégées. Donc, pour tous les chiens qui sont plus sensibles, on va aller chercher plus les brosses qui ont euh, des petits protecteurs au bout de, des branches. Et aussi, on, on peut se rendre compte qu'à force de brosser le chien, ça peut créer des rougeurs au fond de la peau. Euh, donc, tous les chiens qui ont une, un poil plus soyeux, plus épais, comme un certain type de golden. Euh, les, euh, les coller un peu comme sur l'image, euh, les chiens qui ont un poil plus long, si on veut. Euh, habituellement, c'est plus difficile de se rendre jusqu'à la peau. Par contre, tous les caniches, les chiens, les shih tzu, les chiens qui ont les, euh, une petite peau fine, les Yorkshire, euh, ça peut être vraiment pertinent d'aller chercher une brosse avec un protecteur. Alors, Audrey, euh, on voit ici un, un modèle qui est peut-être un peu particulier, euh, du moins qui, qui a une forme un peu atypique. À quoi va servir une brosse comme celle-là? Donc ça, c'est un peigne en fait à neuf lames qui est vraiment fait pour euh, démêler les nœuds. Donc certains types de chiens sont vraiment sujets à ça. Euh, on a entre autres les teckels à poil long autour des oreilles, euh, les golden autour des fesses, euh, tous les styles de caniches, donc les golden doodle, donc le mélange, euh, les caniches également. Euh, tous les chiens qui ont un poil qui est frisé, feutré, donc certains types de collés, aussi. Euh, donc, il faut vraiment s'assurer qu'on euh, fait ça plusieurs fois par semaine, jusqu'à trois à quatre fois par semaine, parce que sinon, les nœuds se resserrent très près de la peau et c'est comme si on avait toujours les cheveux attachés et qu'on tirait dessus. Là. Ça peut créer vraiment des douleurs à l'animal. Maintenant, euh, celle-ci euh, semble avoir une forme plutôt particulière aussi. Qu'est-ce qu'elle fait de spécial, cette brosse-là? Euh, ça, c'est le, vraiment le... Elle, elle a un nom un peu drôle, c'est un peu le Furminator. <laughs> Donc, ça arrache euh, vraiment les, le poil. C'est vraiment l'idéal pour toutes les chiens qui ont un sous-poil, les bergers allemands, les huskies, euh, toutes les chiens qui, euh, qui sont faits un petit peu plus pour le dehors, si on veut. Donc, qui ont un, un, un sous-poil en forme de duvet. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller arracher ce sous-poil-là? À quoi ça sert? Bien, à moins que vous ayez envie d'avoir de la laine dans la maison en permanence et <laughs> des petits moutons qui volent. Euh, autre aussi, c'est que ça crée aussi des démangeaisons au chien. Euh, le fait que le poil tombe, euh, donc ça permet de, de donner un bon coup dans la, la perte de poil, la mue, dans les changements de saison et euh, de réduire la, la, la durée en fait de la perte de poil qui est plus massive. Donc ça, ça nous permet de s'en libérer. Euh, on peut le faire à tous les jours. Alors, on est maintenant dans la section des produits et Audrey, sans nécessairement tous les présenter parce qu'on en aurait pour tout un après-midi, oui. euh, il y a quand même quelques éléments clés qu'on qu peut prendre la peine de, de, de dire ou encore de nommer là, pour, pour les gens qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on peut utiliser pour traiter son chien. En fait, il existe une panoplie de produits, en effet, pour différents types de chiens. Euh, différents types de produits aussi qui sont axés soit plus naturels euh, il y a des produits qui sont plus euh, communs, populaires euh, et il y a aussi des produits qui sont. Euh, polissant, qu'on appelle donc euh, ici en fait on, tout ce qu'on remarque en fait c'est que ce sont des produits qui sont spécialisés pour les chiens qui sont qui ont la peau sensible donc qui ont des allergies que ce soit alimentaire ou autre donc ça peut aider euh, d'avoir un vaporisateur euh, anti-allergène um, il y a aussi des euh, des shampoings qui vont aider pour les gens qui ont des allergies donc, euh, pour réduire euh, les allergènes dans le poil du chien ou du chat, en fait. Il euh, y a aussi également des, euh, des produits qui comme des parfums pour chiens, euh, des, des brumeurs, donc de, des suites de choses pour euh, garder une, une bonne odeur chez le chien. Euh, et il y a également les démêlants qu'on parlait tout à l'heure, qui peuvent être utiles pour euh, défaire les nœuds. Alors, pour ceux qui voudraient plus d'informations, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide, justement, lorsque vous vous rendez là, chez votre fournisseur de produits animaliers. Euh, demandez de l'aide, demandez conseil pour avoir le produit adapté à votre animal. Alors Nancy, en introduction d'émission, on en parlait, euh, on parle de tics aujourd'hui. Oui, il y en a plusieurs types, mais là, on s'intéresse à un type de tic en particulier qui retient un petit peu plus l'attention au Québec. Exact. Oui, il y a plusieurs espèces de tiques, mais celle qui attire notre attention, c'est celle qu'on appelle ixodes scapularis. Oh, je ne répéterai pas. <laughs> il y a plusieurs sortes scientifiques, c'est le nom latin de cette tique-là. En fait, on s'y intéresse plus en médecine vétérinaire, entre autres, euh, parce que c'est elle qui transmet la maladie de Lyme. Dont on entend de plus en plus parler là, Donc, depuis quelques, quelques années. années. Effectivement, même en médecine humaine, autant qu'en médecine vétérinaire, on en parle beaucoup. Euh, et là, donc, cette tique-là, qu'est-ce qu'elle mange en hiver Où est-ce qu'on la trouve Qu'est-ce qui euh, est-ce qu'elle peut être dans notre cour Ben, premièrement, l'hiver, elle mange pas <laughs> parce ah, qu'elle okay. n'existe pas. <laughs> fait que, non, mais la tique est surtout, euh, on la voit plutôt dans les périodes du printemps et de okay. l'automne. Donc, en hiver, est-ce qu'elle est en dormance Est-ce qu'elle meurt C'est ça, elle meurt. C'est ça, mais il y devient, Il y a des petits nefs qui peuvent ressurgir au printemps. Okay. Donc, euh, c'est ça, c'est des petites tiques qui vivent dans de l'herbe haute surtout, Stéphanie. Okay, fait que c'est souvent dans les savanes, dans les boisées, les fougères. Donc c'est des petites tiques qui vivent euh, sur les, les brins d'herbe comme ça. Puis que souvent quand la, la température est clémente pour eux, ils vont monter sur le brin d'herbe et ils vont attendre la vibration que un chien ou un humain passe et ils peuvent s'attacher. Donc. Plus une prédisposition, bien sûr, pour le chien à cause du poil. Donc, tous nos chiens qui vont un peu. Euh, faire de la randonnée, par exemple. faire de la randonnée, euh, qui vont même euh, proche d'un buisson, quand même, tu sais, quelque chose qui est haut, qui est moindrement. Donc, euh, c'est ça, on peut, ils peuvent euh, avoir la tique là, qui est attachée euh, sur la peau. Et je suppose que moindrement qu'on habite à, à l'extérieur des, des centres-villes, entre guillemets, on peut avoir ce type d'herbe-là dans nos cours Exactement, ou euh, à, à, aux alentours de notre maison. Oui, aux alentours de la maison, si on est un petit peu de boisée à l'arrière, dès qu'on a de l'herbe, des savanes ou des champs, surtout, c'est là qu'on peut retrouver ça. Puis, comme je disais, c'est surtout le printemps et l'automne. En pleine période d'été, quand il fait très chaud, c'est moins probable un peu. Là, il reste les petites nymphes qu'on voit plus, mais c'est un petit peu moins probable durant l'été. On, on, on a parlé des chiens, on a parlé des humains. Il y a également les chats sans doute qui, qui peuvent aller se, se promener et qui doivent être des hôtes assez intéressants pour, pour les tiques. Oui les, oui, les chats peuvent aussi avoir des tiques. Mais oui, parce qu'eux autres, ils vont surtout là, en dessous des herbes et tout ça. fait que c'est possible que les chats aussi attrapent les tiques. Par contre, Stéphanie, on s'inquiète un peu moins de la maladie de Lyme chez les chats. Très peu de sujets, cest un très faible pourcentage peuvent développer la maladie. Mais ce qui nous inquiète, par contre, c'est que la tique, elle, qui va rentrer à l'intérieur, peut aller sur le chien ou sur l'enfant sur de la maison. fait, qu'on ne veut pas qu qu qu'il devienne porteur, par exemple, vecteur, comme on dit de, de cette tique-là. Donc, maintenant, il existe un nouveau produit qui est superfait, Ça s'appelle Bravecto, qui est disponible chez votre vétérinaire sous prescription, qui va aller protéger votre chat. Sécuritairement, et je dis bien sécuritairement parce qu'il y a certains produits qu'on peut voir sur le marché qu'il faut faire très attention, euh, qui peuvent être toxiques pour un chat. Donc, euh, si on veut être très sécuritaire, vous allez chez le vétérinaire et puis euh, sous prescription, il y a un produit qui existe pour protéger le chat également. Maintenant, lorsqu'on parle de maladie par exemple, notre chien est piqué par la tique. Euh, quels sont les symptômes? Est-ce qu'il va avoir des symptômes apparents euh, qui, qui vont nous pousser à consulter ou c'est vraiment en faisant l'examen du poil qu'on va se rendre compte qu'une tique s'est logée? En fait, c'est que la tique peut rester plusieurs jours sur l'animal. Donc, si on fait une inspection de notre chien un peu régulièrement, on peut voir. C'est quand même visible à l'œil, la tique. Là. Euh, ça a l'apparence de, de quelques millimètres, mais c'est plus gros qu'une puce. Ça fait qu'on la voit, la tique, vraiment. Puis, elle est attachée, en fait que la tête est rentrée dans la peau de l'animal. Okay. D'accord, fait qu'on voit vraiment, euh, on voit vraiment bien la tique. L'arrière de la ouais. tique, là, qui va ressortir. Exact, c'est ça. Puis, quand on voit cette tic-là, ben, l'idée, c'est de l'enlever le plus rapidement possible. Et est-ce qu'on est qu s'engage à l'enlever nous-mêmes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait l'opération de dire, bon, je vais essayer d'aller tirer dessus avec des, des pinces à cils? Ben, ou est-ce qu'à l'inverse, on est mieux de se rendre chez le vétérinaire avec notre animal de compagnie? En fait, de tirer dessus, ce qui peut arriver, c'est que la pièce buccale reste dans la peau. Ce n'est pas souhaitable. Ça peut faire une réaction inflammatoire, une petite bosse, tout ça. Fait que, il y a un petit instrument que vous allez chez votre vétérinaire ou que vous pouvez vous procurer chez votre vétérinaire. C'est comme un genre de petit pied de biche, finalement. Là. Ce petit pied de biche-là, c'est tu sais, un peu comme quand on enlève les clous. Fait on est capable d'aller en dessous de la tique. Il faut vraiment l'enlever en rotation pour que la petite tête puisse sortir en même temps. Et là, du coup, vous avez cette tique là qui est intacte, Bien, il faut euh, l'amener chez votre vétérinaire et puis à ce moment-là, on peut l'envoyer. Nous, on, on les envoie au MAPAC et là, il y a une analyse de la tique parce que c'est pas toutes les tiques, Stéphanie, qui sont porteuses de maladie de Lyme. Et là, justement, à partir du moment où on l'envoie chez le MAPAC, euh, on sait que bon, elle était porteuse de la maladie de Lyme. Et quels sont les symptômes de cette fameuse maladie de Lyme, par exemple chez notre chien Est-ce qu'il va être affecté S'il si développe la maladie et même avant. Une, avoir une tique qui est porteuse de maladie de Lyme. Le chien n'a pas 100 de chance de développer la maladie. Ça se peut qu'il développe la maladie ou pas. Et s'il la développe, ça peut être dans les deux à cinq mois qui suivent. Ça fait que ce pas immédiatement. Des fois, on va faire attention les semaines qui suivent l'apparition de la tique, mais faut vraiment être alerte les six mois qui suivent là, la saison des tiques. C'est une boiterie avec de la fièvre intense. L'animal est vraiment mal en point. Là. Il y a de la fièvre, il y a mal aux articulations, tout ça. Est-ce que ça se traite si c'est pris à temps, ça se traite bien avec des antibiotiques. Lorsqu'on parle de « temps » Nancy, est-ce que c'est euh, à temps à partir du moment où les symptômes commencent à apparaître, on va, on va administrer oui. des antibiotiques? Ou est-ce que euh, du moment euh, qu'on qu voit la tique, qu'on sait que la tique était porteuse de maladies de Lyme, est-ce qu'on commence à traiter tout de suite? C'est une très bonne question Stéphanie, c'est un grand débat en fait en médecine vétérinaire. Mais les recommandations des spécialistes le disent bien, c'est qu'on traite seulement quand il y a des symptômes. Ok. Donc… On fait un cas, on fait, il y a un animal qui arrive, il y a une tique, on fait analyser la tique, porteuse de maladie de Lyme. Ce n'est pas sûr que l'animal va développer, même qu'il est porteur de la maladie. Là, on attend de voir s'il y a des symptômes. Et là, oui, s'il y a des symptômes, il y a des tests qu'on peut faire. On va, entre autres, c'est ce qu'on appelle un KDX, on va aller voir s'il si est positif négatif. On peut aller voir même... Qu'on appelle des quantum C6. Bref, c bref, c'est des tests sanguins qu'on peut faire pour aller voir son type d'anticorps, pour voir vraiment si c'est cette maladie-là. Donc, si on a des tests qui sont positifs, plus un animal qui a des symptômes, oui, s'il est traité avec des antibiotiques, ce qu'on appelle le pronostic est quand même bon, là. ça risque de bien aller. Et là, sachant que bon, l'humain peut développer la maladie de Lyme s'il est lui-même piqué par une tique, est-ce qu'il peut l'attraper par contagion? Si notre animal euh, développe la maladie de Lyme, est-ce qu'il peut me la transmettre? Non c'est un animal qui atteint de la maladie de Lyme ne peut pas transmettre la maladie de Lyme à son propriétaire. Il faut vraiment que le propriétaire soit piqué par la tique en tant que tel. Et, et bon, évidemment Nancy, on le sait tu es médecin vétérinaire, tu n'es pas médecin généraliste pour les humains, mais quand même il y a certaines notions de base que tu dois connaître sur les façons de procéder si nous en tant qu'humains on se fait piquer par une tique, quelles sont les, les premières précautions qu'on voudrait prendre Bien, sans nom, c'est ça, je n'ai pas la prétention de dire qu'en médecine humaine, là, je, je, on n'a pas de connaissances là, très poussées pour la maladie de Lyme. Je laisse ça au médecin. Mais la seule recommandation qu'on a, premièrement, quand on, a, on est piqué par une tique, il faut qu'elle soit là pendant 24 heures pour transmettre la maladie de Lyme. Donc, si on la voit tout de suite, on peut l'enlever. Il faut vérifier si on n'a pas un rond rouge. On appelle ça l'érythème migrant En fait, c'est vraiment une érythème, une rougeur qui est autour là, de, de, de la, la piqûre. Et ça, on va être invité à, à quoi? À la prendre en photo? À, à faire un, Bien, un rond autour avec un crayon, consulter. par exemple? Si, si vraiment vous avez vu une tique et si vraiment vous avez une rougeur, vous êtes mieux de vous présenter chez votre médecin à ce moment-là. Mais tu sais, il y a plein d'autres piqûres d'insectes qui peuvent occasionner un rond rouge. Il ne tu sais, pas, faut pas non plus être alarmiste, alarmiste. en même non, temps. Il faut fou. être euh, peut-être conscient. Exact. Et si on retrouve, par exemple, une tique sur nous, est-ce qu'on peut aller voir notre médecin vétérinaire pour qu'il l'analyse, même si elle n'a pas été retrouvée sur notre animal de compagnie est Bien, en que... général, le MAPAC, il faudrait voir avec les médecins, mais le MAPAC va faire l'analyse des tics. C'est important, je pense, pour la personne de savoir si cette euh, tique-là est porteuse ou non de maladie de Lyme. Ça serait important. En même pis... temps, pour le recensement un peu euh, en province. Exact. Puis même si vous trouvez, comme tantôt on parlait d'un chat euh, qui peut être. Euh, il ne développera pas la maladie. On n'est pas inquiète pour le chat qu'on trouve une tique dessus. Mais c'est important pour vous de savoir que la tique que vous avez trouvée sur votre chat, elle est, mettons, positive à la maladie de Lyme. Mais ça dit que dans l'environnement où vous allez, euh, ben peut-être où le chat va, ben, il y a des positifs à la maladie de Lyme. Donc, il y a des précautions à prendre, tu de ne pas aller avec nu-pieds dans l'herbe, de mettre des bas euh, par-dessus les pantalons, tout ça, c'est de faire attention. Et est-ce qu'on peut faire de la prévention? Évidemment, la tique, elle se retrouve dans la nature, on ne peut pas y faire grand-chose, mais nous, comment est-ce qu'on peut se protéger? Tu parlais des bas, entre autres. Euh, nous, nous, comme humains, s'habiller. Euh, pour notre animal, est-ce qu'on peut. Euh oui, il existe des très bons produits maintenant. L'industrie pharmaceutique s'est adaptée à cette, à cette nouvelle venue-là des tiques là, qui venaient du Sud, en fait. Là. Euh, il y a des produits qu'on appelle topiques, des produits que vous pouvez appliquer sur votre animal. C'est des petites fioles qu'on met, euh, qui sont vendues euh, chez le vétérinaire en tant que tel et puis qui protègent très bien. Donc, c'est un effet répulsif. Dès que la tique va arriver sur la peau de l'animal, elle va mourir, elle va tomber à ce moment-là. D'accord? Euh, puis, une autre façon aussi de protéger, c'est qu'il y a des nouveaux médicaments par la bouche, qui est très facile d'administration. Moi, bon, les chiens en raffolent. <laughs> c'est comme une petite gâterie. On donne ça une fois par mois durant les périodes avril mai à peu près jusqu'à octobre, novembre. Et euh, c'est par la bouche qu'on prend ça super efficace, c'est un produit qui, qui a eu beaucoup de techniques qui sont, sont super efficaces. Il y a plusieurs, il y a Saint Parica, il y a Bravecto, il y a, il y a comme plusieurs. Il s'agit de voir avec votre vétérinaire à ce moment-là. Euh, Puis dès que la, la tique va aller sur l'animal, elle va mourir. Donc elle va dans les heures qui suivent. En prenant un repas, elle va mourir. Fait qu'il a pas de danger de transmettre la maladie de Lyme et surtout d'aller chez un humain ensuite. Là. Et c'est exactement là qu'on qu puisse la transmettre d'une personne à l'autre. Euh, fort intéressant. Bon, le, le temps commence à filer, mais euh, ça reste qu'il y a d'autres types de tiques, d'autres types de de de, de, de petites bibites qui pourraient s'agripper après notre animal en cours de balade. Euh, je suppose que de consulter son vétérinaire pour protéger son animal, ça reste la solution la plus adéquate. Au printemps, c'est bien important d'aller voir chez votre vétérinaire et de voir quel est votre style de vie. Est-ce que je vis en campagne, même en ville? De voir, on doit protéger contre les parasites intestinaux, contre les puces, contre les tiques qu'on a parlé aujourd'hui. Mais c'est important d'aller voir comment on peut bien protéger, notamment les protéger votre famille en même temps. Nancy, encore une fois, bien intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aussi pour euh, cette émission de pensebête.tv. En espérant que vos balades en forêt se feront euh, sans tic, sans, sans pouce, sans puce, sans punaise, comme, comme on le disait quand j'étais enfant. Merci d'avoir été là et à la prochaine.